Waouh, waouh. Bonjour Amélie, bienvenue. Bonjour. À Girona. Tous ces gens sont ici pour vous. Alors, c'est très bien. Bé, a partir d'aquests moments parlaré en català. Moltes gràcies de ser aquí. Ens sap greu que hàgiu d'estar drets algú, però és una gran satisfacció veure tanta gent, a veure i a sentir la Melina Tom, de la qual em faré una mínima presentació perquè tots i totes els que sou aquí la coneixeu perfectament i sobretot la coneixeu per la seva obra, per la seva literatura, que és la cosa més important. La Melina Tom és una escriptora en llengua francesa, autora fonamentalment de novel·les. Des de l'any 1992 ha publicat una novel·la cada any. Es diu que ella n'escriu quatre cada any i que després, en funció d'aquestes... Je suis désolée. Ne, fermez les yeux, fermez tous les yeux. C'est horrible. Voilà, vous pouvez, vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Voilà. C'est bien, c'est bien. A partir doncs, d'aquest any 1992, publica això, una novel·la cada any a l'editorial d'Albin Michel. I en aquests moments, per tant, ja està a punt de publicar la 25a novel·la. Per tant, gairebé que podem celebrar els 25 anys de les novel·les de Melina Tom. La seva 24a novel·la, per tant, l'última que ha sortit, és el crim del comte de Neville. I la que en aquests moments nosaltres tenim publicada en català i en castellà és aquesta última novel·la que es titula Petronil, que és una meravella. Darrere de Petronil hi ha el nom d'una escriptora que és real i, per tant, aquí comencem ja amb aquest joc entre la literatura, per tant, la ficció i la realitat, del qual el joc és una mestra, l'Amélie. La seva primera novel·la va ser, com sabeu, La higiene de l'assassin, i tracta sobre un premi Nobel incomprès i la seva relació amb la premsa, entre moltes altres coses. Aquest és un tema que Melina Tom tracta en les seves obres, el tema de l'escriptura i el tema de l'escriptor en femení, l'escriptora, que apareix de forma gairebé constant, i tracta molts altres temes, com és ara l'amor, com és ara l'amistat, la impossibilitat de l'amistat, les relacions entre pares i fills, entre mares i filles, entre pares i fills. Hi apareix en la seva obra l'assassinat moltes vegades i de forma espectacular, però fonamentalment un dels grans temes és el desarrelament. El desarrelament i al mateix temps la fam, no? La fam com una forma de superar aquest desarrelament. I tot plegat és amarat i de fet sorgeix d'un material preciós que és la seva pròpia biografia. Entre les novel·les autobiògrafiques de la Melina Tom hi trobem la metafísica dels tubs, el sabotatge amorós, la fantàstica biografia de la fam, ni Eva ni Adam, entre molts altres. En aquestes novel·les, la Melina construeix
un personatge literari amb el qual s'arriba a confondre i que avui la tenim justament aquí, amb la confusió entre ficció i realitat, i una de les seves, un dels seus temes o fils conductors és el tema de la infantesa, no? Aquesta infantesa d'una filla de diplomàtic que transcorre enmig de múltiples i traumàtiques mudances al Japó, del Japó a la Xina, Amèrica, Birmània, Bangladesh, amb uns desarrelaments successius i que d'alguna manera la porta a utilitzar des del punt de vista estilístic una mena o una forma d'autoironia que fa que la seva obra sigui sempre una obra distanciada des del punt de vista sentimental, al mateix temps que està utilitzant un material que és absolutament propi, personal, etc. És una literatura, com sabeu, d'una gran fluïdesa. És poder-la llegir en francès és una meravella, llegir-la en català i castellà, hi ha uns magnífics traductors, tant el català com el castellà. Ahir em vaig dedicar a mirar una presentació d'en Sergi Pàmies, que, esclar, ja no volia venir després d'haver-la vista, però realment és molt interessant. A l'Amélie sembla, i a Petronil queda claríssim, que li agrada molt el xampany. Em sap greu perquè aquí només hi tenim aigua, per ara, però ja ho resoldrem. De fet, és un dels punts d'arrencada d'aquesta novel·la i és el leitmotiv que permet de lligar totes les aventures que viuen dues escriptores que d'alguna manera en fi, rivalitzen, no diré res més, en diverses qüestions, també en relació amb l'escriptura. Jo m'ho he passat però molt i molt bé llegint aquesta novel·la, no cal, bueno, totes les altres també, però aquesta és l'última que he llegit, i l'última cosa que volia dir, i ja m'estic passant perquè no és a mi que m'heu vingut a sentir, és que m'agrada molt el lema que Amélie Nothomb té a la seva magnífica pàgina web, que també us recomano per, si no hi heu entrat, que és «Béni soit ce qui inspire l'amour». Merci. Merci. A vous. Merci beaucoup. A vous. Merci infiniment. Jo només li faré, em sembla, una pregunta a Amélie Nothomb. Qui és Amélie Nothomb? Ça commence très fort. Eh bien, je me pose cette question depuis bien longtemps. Je crois que je suis un écrivain. Depuis le temps, je commence un peu à y croire. Mais vous savez, être écrivain, ça se mérite. Je pense que pour rester écrivain, il faut continuer d'écrire absolument tout le temps. Je pense que ce qui me différencie, moi, des autres écrivains, c'est que je n'arrête absolument jamais. Beaucoup de gens me demandent comment je fais pour trouver de l'inspiration pour écrire tant de livres, parce que j'en ai publié quelques-uns, mais vous savez, j'en écris encore beaucoup plus, puisque je suis en train d'écrire mon 86e roman. Je n'en ai somme toute publié que 24. Alors, comment on fait pour écrire son 86e roman? Eh bien, le secret, c'est de ne jamais s'arrêter. C'est comme si j'avais provoqué en moi une hémorragie de mots, une hémorragie de langage, et j'essaye de rester dans le courant. Je me dis que tant que je n'arrête pas, je reste dans le courant et l'hémorragie continue, et ça fait travailler l'inspiration. L'inspiration est comme une espèce de muscle, et si on entretient ce muscle, on peut faire en sorte qu'il travaille absolument toujours. Donc les gens qui me demandent d'où me vient mon inspiration, je dis mais c'est très simple, l'inspiration est une espèce de délire qui ne s'arrête jamais. Si vous ne l'interrompez pas, il ne s'interrompt pas.
Donc, je suis quelqu'un qui s'est jeté dans ce flot intérieur de langage et qui essaye d'y rester. Par ailleurs, je suis probablement de nationalité belge. J'ai mis du temps à le comprendre, mais maintenant, je suis convaincue. J'ai longtemps affirmé que j'étais japonaise. Je le croyais très fermement. Et puis, j'ai vécu des échecs que j'ai racontés dans Stupeur et Tremblement et dans Ni d'Ève ni d'Adam qui m'ont prouvé que tant sous l'angle professionnel que sous l'angle amoureux, j'étais une japonaise complètement ratée. Donc, il a fallu me résoudre à accepter la seule nationalité qui me restait et la seule nationalité qui voulait bien de moi, qui était la nationalité belge et qui, somme toute, colle assez bien avec mon personnage de japonaise ratée. C'est parfait. Ja que parla d'aquesta nacionalitat belga, en aquesta última novel·la hi ha unes quantes referències a França. Una cosa que a mi m'ha fet molta gràcia és una afirmació que fa el personatge de l'escriptora més madura, que diu que allò més exòtic del món, el país més exòtic del món, és França. C'est tout à fait vrai. Est-ce que vous connaissez les Français? Alors, je suis désolée parce qu'il y a un Français dans la salle. Donc... Ah, oui. Oui, alors, j'apprends à découvrir ce pays combien mystérieux. Voilà. Peuplé de... Tous les jours, je me demande comment la France peut fonctionner. Comment des gens toujours tellement en colère, avec à peu près tous les sujets, tellement râleurs, tellement de mauvaise humeur, comment ce pays continue de fonctionner et d'être un merveilleux pays. C'est un mystère que j'explore tous les jours. On pourrait croire qu'en étant belge, je suis presque française, mais pas du tout. Vous n'imaginez pas à quel point les Belges sont différents des Français. Nous n'avons, pour ainsi dire, rien à voir les uns avec les autres. Nous, d'ailleurs, c'est pas pour... Vous savez que les Français se moquent énormément des Belges. Ils nous voient, peut-être avec raison d'ailleurs, comme de parfaits imbéciles. Mais ce qui est certain, c'est que comparé aux Français, on n'a rien à voir. Quand on arrive en France, on est traumatisé. On ne parle presque pas la même langue. Et on découvre toutes sortes de comportements qui ne sont absolument pas les nôtres. Et c'est vrai qu'aussi, Petroni, c'est un roman sur beaucoup de choses, mais c'est aussi mon premier portrait d'une Française. Et là, une Française très typique, une Française râleuse, gouailleuse, elle est très impertinente, elle vient du peuple français, elle est prolétaire, et elle est très en colère et très révoltée, et elle a toujours un profond sentiment d'injustice. Elle râle, elle est écrivain, elle a beaucoup de talent, elle existe vraiment, elle s'appelle Stéphanie Hochet, et par exemple, elle râle tout le temps contre la précarité de son métier d'écrivain. Elle trouve que c'est pas juste et qu'elle devrait être protégée par des syndicats. És molt curiós i molt interessant l'arrencada d'aquesta novel·la, que a més té molt a veure amb aquest acte que estem fent ara. L'escriptora madura que amb èxit està dedicant llibres en una llibreria francesa i se li presenta Petronil, disposada que li faci una dedicatòria. A partir d'aquí comença una amistat, per tant, una amistat entre dues dones i entre dues dones escriptores, que acabarà com acabarà, però bé, una amistat conduïda fonamentalment per un element que dèiem abans, que és el xampany. El xampany, perquè abans d'aparèixer aquest personatge, l'escriptora madura fa un gran elogi del xampany. Qu'est-ce que le champagne pour Amélie Nothomb? Le champagne, je crois que c'est ma plus belle histoire d'amour, ma plus ancienne aussi, puisque ça remonte très loin. J'ai bu du champagne pour la première fois quand j'avais 3 ans, et ça a été le coup de foudre. 3 ans. Et je n'ai jamais vraiment arrêté de boire du champagne. Il y a eu des petites interruptions, mais j'y suis toujours revenue. J'ai essayé, bien sûr, d'autres boissons, d'autres passions, mais... Rien ne me convient aussi bien que le champagne. L'ivresse que procure le champagne ne ressemble pas à l'ivresse procurée par les autres alcools. J'adore le vin rouge, mais le vin rouge, ça alourdit, quoi. Après le vin rouge, on a la tête lourde. Tandis que le champagne, c'est le contraire. Le champagne, ça fait monter la tête. Et si on veut vivre des aventures délirantes,
Rien de tel que de boire beaucoup de très bon champagne. I aquestes aventures delirants que hi ha en aquest llibre Petronil i que hi ha bona part dels llibres d'Amélie Nothomb, què expliquen d'Amélie Nothomb? Ouais, je pense qu'elles expliquent le champagne est une merveilleuse excuse parce que maintenant, chaque fois que les gens me voient avoir des comportements parfaitement invraisemblables, je peux toujours dire excusez-moi, j'ai bu. Donc, j'ai bu. Et comme en plus, ça commence à se savoir, que, puisque j'écris dans tous mes livres que je bois du champagne, quand j'ai des comportements aberrants ou que je dis des choses aberrantes, les gens disent ah, elle a encore bu. Mais je crois qu'il y a le champagne m'apporte exactement ce que. Voilà, j'ai. Peut-être qu'en tant que Belge, parce que je suis Belge, hein, j'ai fini par le comprendre, je souffre aussi des pathologies des Belges, à savoir que... Je ne sais pas s'il y a des Belges dans la salle. Les Belges sont facilement lourds. On se sent écrasé. C'est pas le pays de la légèreté, la Belgique. Hein, on est lourd. Et justement, le champagne, c'est la boisson de la légèreté. Ça apporte... Ça fait voler la tête. Donc je crois que c'est pour ça que j'ai tellement besoin de cette boisson. D'abord, je la trouve extraordinairement belle à regarder. La beauté esthétique du champagne. Je vous dis, c'est mon coup de foudre. Je suis amoureuse du champagne. Le goût du champagne, on ne s'en lasse jamais. Je peux vous dire, je suis allée très loin. Jamais on n'est dégoûté du champagne. Même le lendemain des jours où on a bu beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de champagne, on n'est pas malade, ou du moins pas très. Et on a encore envie d'en boire. Et puis, bon, parfois on est très ivre au champagne et on fait des choses regrettables, mais on ne fait jamais des choses inélégantes. Il y a une élégance dans le champagne qui fait qu'on ne regrette pas les comportements qu'on a eus. Bon, on peut faire des vraies bêtises, comme par exemple skier les yeux fermés. Mais ces bêtises ne sont jamais inélégantes. On n'a jamais honte de les avoir faites. C'est très bien. Aquest festival MOT és un festival que gira al voltant del tema escriure vides. I ens ha agradat molt de poder-te tenir aquí justament perquè la teva escriptura és una escriptura de vides i la principal escriptura, la principal vida escrita és el jo. Aquest és un material que utilitzes constantment en les teves obres. Fins a quin punt et despulles o no et despulles quan escrius? Després del que has dit que s'ha d'escriure constantment i que és la manera com es continua escrivint i s'és una escriptora, suposo que el material que s'utilitza és aquest material, no? El material del jo. C'est toujours le moi. Que les livres soient autobiographiques ou qu'ils ne le soient pas, c'est toujours le moi. Parce que quand c'est autobiographique, c'est évident. Mais quand ça ne l'est pas, c'est quand même toujours le moi. Dans mes livres, par exemple, Le Voyage d'hiver, où il y a l'histoire de ce terroriste qui veut jeter un avion sur la tour Eiffel, c'est moi aussi. Alors, ce n'est pas évident a priori que je suis un terroriste qui veut s'en prendre à la tour Eiffel. Mais je vous assure que si on descend... Je dis aussi que l'écriture, c'est un sous-marin. C'est un sous-marin qui me permet de descendre au fond de moi. Et au fond de moi, tous ces gens existent. Je suis persuadée de toute façon que si nous pouvions tous descendre en nous, nous trouverions l'humanité entière, tous en nous. Par mon sous-marin d'écriture, je vous assure, je trouve en moi tous les monstres qui existent. C'est ça aussi qui est intéressant dans le fait d'écrire. C'est que dans la vie de tous les jours, quand on parle du mal... Le mal, c'est toujours l'autre, c'est jamais soi. Écrire, c'est le moment où on peut décider que le mal, ça ne va pas être l'autre, ça va être soi, et qu'on va trouver en soi tous les ingrédients pour faire un parfait salaud, un vrai monstre. Je suis persuadée, en effet, que nous avons tous en nous tous les ingrédients pour faire ce parfait salaud ou ce vrai monstre. C'est aussi très hygiénique, parce que leur donner la parole... est aussi une façon de leur éviter de passer à l'acte. Je pense que si je suis toujours restée dans la légalité, c'est parce que toutes mes basses pulsions meurtrières, je pense que j'ai une pulsion meurtrière plus grande que la moyenne des gens, cela dit, je pense que tout le monde a une pulsion meurtrière. Mais comme j'assouvis
abondamment cette pulsion meurtrière par écrit, je n'ai jamais éprouvé le besoin de passer aux actes. Per exemple, una novel·la que a mi m'agrada moltíssim, m'interessa, de les moltes, que m'interessen, és Tuer le père. Aquesta no és una novel·la, diguem-ne, autobiogràfica, no hi ha Amélie Nothomb exactament com la coneixem aquí, però és una novel·la molt interessant sobre la relació entre pare i fill, que és una relació que a mi també m'ha fet pensar en la relació que s'estableix entre les dues escriptores a Petronil. No sé si hi ha alguna cosa. Il y a quelque chose, c'est-à-dire que c'est de l'amour ambigu. Petroni et Amélie, bon, c'est une amitié très forte, très grande admiration. C'est comme certaines amitiés paroxystiques, c'est presque de l'amour. Mais en même temps, il y a énormément d'ambiguïté en ceci qu'il y a une rivalité qui ne dit pas son nom, parce qu'on a honte d'être en rivalité. Enfin, Petroni, qui existe vraiment, c'est donc Stéphanie Hochet, je sais qu'elle m'apprécie beaucoup comme écrivain, mais quelque part, elle trouve que cette situation est injuste. Elle est un excellent écrivain et elle a beaucoup de peine à se faire connaître, elle a beaucoup de peine à être lue, c'est très difficile pour elle. Et elle se dit, pourquoi elle va à Girona et pas moi On va l'inviter. Il faut l'inviter. Et je la comprends, parce que c'est vrai que c'est injuste. Ces livres sont formidables. Je ne dis pas que les miens sont nuls, mais ces livres méritent au moins autant que les miens d'être connus. Mais il y a une espèce de... Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait qu'un écrivain a du succès et qu'est-ce qui fait qu'un autre écrivain excellent n'a pas de succès, c'est inexplicable. Mais bien sûr, ça joue un rôle énorme dans cette amitié. C'est ce qui fait que cette amitié n'est pas tout à fait nette. Et c'est ce qui fait que ce roman terminera tragiquement. Oui. Mais et très aussi, vite. Tu es le... Tragiquement et très vite. Et très vite. Alors oui, beaucoup de gens me disent « Pourquoi est-ce que vos livres sont si courts ?» J'ai une explication. Je pense que mes livres, ils ont l'air d'être drôles, mais ils ne le sont pas, en fait. En fait, l'action de la plupart de mes livres est absolument insoutenable. Si vous y réfléchissez, c'est toujours d'une violence folle, ce qui fait que ça ne peut pas durer longtemps. Si ça durait plus longtemps, ce serait insoutenable. Donc, par pitié pour le lecteur, pour que la tension ne dure pas trop longtemps, ça se termine assez vite, et c'est vrai que généralement, ça se termine de la façon la plus expéditive, par un bon assassinat. Je pense que quand l'un des personnages tue l'autre, là, on peut être sûr que c'est fini. C'est bien. Ara, en relació amb l'escriptora que porta el nom de Petronil, perquè estiguis molt tranquil·la, sàpigues que hi ha alguns editors aquí que s'han adonat que existia aquesta escriptora i, per tant, potser tindrà alguna... Esclar, ha estat una molt bona manera de donar-la a conèixer. O sigui, és un regal que has fet. Écoutez, c'est aussi ça. C'est vrai que je trouve qu'elle devrait être plus connue. Donc, j'ai fait mon opération d'attaché de presse là, pour Petroni. Et alors, bien sûr, je lui ai demandé la permission. Je n'allais pas écrire un livre comme ça sur elle sans lui demander la permission. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses que j'écrive un roman sur toi? Elle me dit, ah, enfin, tu parles de quelque chose d'important. Oh, c'est génial. C'est merveilleux. Ah, et en relation amb, quand un escriptor o escriptora, abans de la sessió anterior, dos escriptors... Jordi Puntí i Albert Forns, han estat parlant de les seves obres, de les que estan escrivint en aquests moments, que estan fonamentades en personatges reals. La meva pregunta és, quan tu construeixes un personatge que té que està documentat, que a més us coneixeu, que parleu, etc., quina és la reacció d'aquest personatge real davant de la seva imatge passada par l'escripteur Amélie? Ce n'est pas une chose que j'ai faite très souvent. J'ai fait ça pour Petroni, j'ai fait ça dans Robert des noms propres pour une chanteuse qui existe, qui s'appelle Robert. Bon, jamais je ne publierai le livre sans l'avoir d'abord présenté à la personne. Je trouve qu'elle a le droit de dire ce qu'elle en pense et je comprends que ça puisse provoquer des sentiments assez violents.
Ça s'est plutôt bien passé. Dans les deux cas où je l'ai fait, ça s'est plutôt bien passé. La seule remarque vraiment irritée de Petroni quand elle a lu Petroni, c'est qu'elle a dit « Pourquoi tu dis que je fais pipi entre deux voitures ?» Ah. Alors ce n'est pas vrai, ça. Mais si, c'est vrai. Alors, c'est ce que je lui ai dit, mais je l'ai dit parce que tu le fais vraiment. Elle dit « Ah bon, je fais ça, moi ?» Je dis « Mais oui, tu fais ça, toi. » Mais elle avait bu du champagne, alors elle ne le savait plus. C'est ça, c'est ça. Un altre llibre que a mi em sembla, des del meu punt de vista, com a lectora, és importantíssim, és la biografia de la fam. C'est vrai. És un llibre magnífic, aprofitant la teva vinguda a Girona, una nostra col·laboradora ha fet una prova pilot, o no tan pilot, amb un institut d'aquí a Girona, que és l'Institut Carla Rahola. Ha proposat per llegir Biografia de la fam i dos cursos, per tant, un centenar d'estudiants de primer de batxillerat i de segon de batxillerat han escrit i han creat collage, pintures, sobre la biografia de la fam. Wow. Han sortit moltes coses, ja te les passarem, però és un llibre mais avec grand plaisir. Fenomenal per aquest despullament que comentava abans de, de construir aquest personatge que pateix, aquest personatge desarrelat, aquest personatge que pateix una anorèxia, la manera com està explicada aquesta anorèxia i en relació amb la fam, com fam de vida, volia dir que és, i suposo que la gent que està escoltant i està d'acord, que és una novel·la fantàstica. Aleshores, només per dir que, en general, aquests estudiants, per tant, gent de 16, 17, 18 anys, la interpretació que n'han fet és una interpretació absolutament vital. Wow. És la vida, és menjar-se la vida, menjar-se... Bien sûr, c'est la première pulsion, c'est la faim. Le bébé, qu'est-ce qu'il éprouve? Le bébé, il a faim. Et ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est... J'ai essayé de me définir à partir d'une seule loi. Je me suis dit, quel serait le seul mot, si tu devais te résumer à un seul mot, quel serait ce mot? Je n'ai pas dû réfléchir très longtemps, c'était le mot faim. J'ai toujours eu faim. J'ai toujours eu plus faim que la moyenne des gens. De nourriture, mais pas seulement, d'absolument tout, de mots, de gens, de vie, de livres, d'expériences. Et c'est à la fois un moteur de vie phénoménal et à la fois, c'est pas facile. C'est très culpabilisant de sentir qu'on a tout le temps plus faim que les autres. Déjà, rien que pour la nourriture, c'est déjà très culpabilisant. C'est culpabilisant pour tout, pour l'amour aussi. Enfin, donc, c'est pas facile à vivre. À la fois, ça rend la vie très intéressante, mais à la fois, ça la rend très compliquée. La femme, doncs. Oui. Suposo que teniu moltes ganes de parlar amb l'Amélie i, per tant, penso que podeu fer preguntes. I estàs d'acord, Amélie, que la gent del públic... Avec grand plaisir. Perquè moltes d'aquestes persones han vingut, a més han vingut carregades de llibres teus, com això, més o menys. Quel bonheur! Per tant, jo penso que és important... Fermez tous les yeux, parce qu'il ne faut pas voir que je bois de l'eau parfois. Teniu alguna pregunta per fer a Amélie? Aquest és el moment, À monsieur là qui s'est levé dans le fond. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, madame Nathan. D'abord, je vais expliquer qu'on est venu avec l'école des personnes adultes de la Llagosta, tout près de Barcelone, spécialement pour
vous connaître. Mais enfin, je suis très impressionnée. C'est magnifique de vous rencontrer ce soir. Il y a quelques élèves par ici, je ne sais pas s'ils ont des questions peut-être aussi. Moi, je suis le professeur de français de l'école. Heureusement, le mois d'octobre, j'ai proposé de lire Stupeur et tremblement. Je ne savais pas que vous viendrez ici. Et c'est quel bonheur quand j'ai appris que vous viendrez ici. Ma question, et je pense que c'est la question de beaucoup de personnes qui ont lu Stupeur et tremblement, c'est pourquoi Amélie, pourquoi vous, ou pourquoi Amélie, l'Amélie de Stupeur et tremblement, essaye si fort de faire partie de la culture japonaise, d'une culture qui la rejette une fois et l'autre? Pourquoi ça? Bonne question. Vous avez tous compris le... Oui. Parce que c'est mon rêve d'enfant. Parce que, née au Japon, grandie au Japon, donc j'ai quitté le Japon à l'âge de 5 ans. Et à l'âge de 5 ans, j'ai été arrachée des bras de ma nounou japonaise que j'aimais autant que ma mère. J'avais deux mères, ma mère belge et ma mère japonaise. Le choc de ma vie, ça a été à l'âge de 5 ans d'être arrachée des bras de ma nounou japonaise, de ma mère japonaise et du pays que je considérais comme le mien. Suite à ça, j'ai vécu dans bien d'autres pays, la Chine, le Bangladesh, les États-Unis, la Birmanie, etc. Mais je n'ai plus jamais eu de sentiment d'appartenance. Le seul sentiment d'appartenance que j'avais eu, c'était quand j'étais toute petite au Japon, dans les bras de ma maman japonaise. Donc, j'ai nourri ce fantasme, je me suis persuadée que j'appartenais au Japon et que ça allait marcher. À 21 ans, je retourne au Japon, je réapprends le japonais que j'avais oublié entre-temps, et j'entre dans cette grande compagnie japonaise. Et là, c'est un désastre. Ceux qui ont lu le livre le savent, malgré des trésors de bonne volonté, c'est une vraie catastrophe professionnelle. Ça se passe très mal, et pas uniquement à cause du système, c'est aussi à cause d'une maladresse personnelle fondamentale. Et malgré tout, je me sentais prête à tout accepter parce que, voilà, ça faisait 20 ans que je disais que j'appartenais à ce pays et que je voulais le prouver. Par ailleurs, je dois dire une chose, c'est vrai que ce système me rejetait, c'est vrai que c'était très dur, mais pour les Japonais, ce n'est pas plus facile. Les Japonais qui commencent à travailler dans les grandes entreprises japonaises étaient à peine mieux traités que moi. Donc, je ne cessais de me dire que ce qu'on m'imposait était invivable, mais somme toute, c'était la loi. C'était ce que les Japonais étaient appelés à subir, et que si les Japonais étaient capables de le subir, eh bien, je serais capable de le subir. Bon, finalement, j'ai prouvé que je n'en étais pas capable. Mais vraiment, j'ai tenu le temps que j'ai pu tenir. C'était, que pour moi, renoncer à ce rêve japonais, c'était renoncer à... C'était pas renoncer à une lubie, c'était renoncer à un choix identitaire. C'était un vrai projet de vie. Donc c'est pour ça que j'ai été capable d'accepter, en effet, beaucoup de choses. Beaucoup de lecteurs de ce livre ont été indignés et m'ont dit, mais pourquoi avez-vous accepté ça? Eh ben, j'ai accepté ça parce que pour moi, c'était terriblement important de prouver que j'étais japonaise. Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je suis une alumne de cette école. Ah. Je m'excuse pour mon français. Peut-être il n'est pas très bon. Il est très bon. Et, merci. Et je voudrais demander, mais vous m'avez déjà presque donné la réponse. Si vous avez vécu vraiment cette chose que vous avez écrite dans le livre. Je sais que les gens ont du mal à le croire, mais je vous jure que c'est vrai. Et non seulement je n'ai pas exagéré, mais j'ai même plutôt minimisé. Parce qu'il y a des choses que je me suis rendu compte après qu'il y avait des choses que j'avais oublié d'écrire dans le livre. Par exemple, le cas de la maladie. Au Japon, comme partout dans la vie professionnelle, il y a des gens qui tombent malades. Hein. Oui. Ça m'est arrivé un jour, j'avais la grippe, j'ai appelé mon entreprise en disant « je ne peux pas venir parce que j'ai la grippe ». Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais vous venez tout de suite. Et j'ai dit, mais je ne peux pas, je suis malade. Mais ce n'est pas grave, quand on est malade, on travaille. Donc je suis venue travailler en étant malade. Et ce jour-là, j'ai réfléchi, je me suis aperçue que dans l'entreprise, il y avait énormément de gens qui étaient malades.
que tout simplement, quand on est malade au Japon, on travaille. Il faut vraiment que vous soyez mourant sur votre lit de mort. Alors là, il devient concevable que vous ne travaillez pas. Donc vous voyez, non seulement ce n'est pas un livre exagéré, mais c'est un livre qui adoucit plutôt un peu la réalité. Alors, pour le cas où il y avait des Japonais dans la salle, le procédé diplomatique pour moi de m'en sortir, c'est de dire oui, mais évidemment, ce livre date de 1990. Enfin, la situation racontée dans ce livre date de 1990. Peut-être que les choses ont évolué. Honnêtement, je n'en pense rien. Je pense que les choses ont très, très, très peu évolué. Merci, madame. Merci. Un monsieur ici au premier rang. Ah, je suis désolée, quelqu'un d'autre. Bonjour, Amélie. Bonjour. Moi, je voudrais savoir si tu écris quand tu as l'inspiration ou par contre tu as une discipline d'écrire tous les matins ou tous les soirs ou quand tu as une bouteille de champagne sur la table. J'ai essayé, ça ne marche pas. J'ai essayé d'écrire avec le champagne, c'est impossible. J'ai une discipline très stricte, mais qui entretient mon inspiration. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est comme si l'écriture était... l'inspiration, c'est comme un sport. Et il ne faut jamais arrêter ce sport, parce que le secret de l'inspiration, c'est de ne jamais s'arrêter. Donc j'écris tous les matins, de 4h à 8h du matin, sans champagne déjà, parce que franchement, le champagne à 4h du matin, ce n'est pas bon. Et puis, de toute façon, ce n'est pas possible d'écrire sous l'influence du champagne. J'ai essayé. Mine de rien, je ne sais pas à quoi ressemble mon écriture, mais je vous assure qu'elle est extrêmement maîtrisée. Ça peut avoir l'air gentil ou mignon comme ça, c'est très maîtrisé. Et cette maîtrise-là, je ne l'obtiens pas avec du champagne. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime tellement le champagne, c'est parce que ça me fait perdre toute maîtrise. Mm-hmm. Ça me libère. Mais pour écrire, il ne faut pas être libéré. Au moment même, il faut être très, très, très concentré. Donc voilà, tous les jours, sans exception. Et là aussi, comme au Japon, même si je suis malade, donc finalement, j'ai absorbé la discipline japonaise. Même quand je suis malade, je m'y mets. Guy ? Oui ? Mais il y avait un monsieur... Depuis plus longtemps. Hola. A veure, jo he quedat molt impressionat per aquesta xifra que deia que ha publicat 25 novel·les, però que en té cap a 86 al calaix, diguem. Aleshores, volia preguntar-li, cada any quan en publica una, si les publica de manera cronològica o si en tria una concretament i si quan la tria és com enviar un fill a les galeres o és donar-li un premi. Alors oui, je les publie dans l'ordre chronologique et je publie toujours quelque chose que j'ai écrit dans l'année. Donc j'écris entre 3 et 4 livres par an. Pourquoi ? Je préfère publier quelque chose de récent, c'est plus proche de moi. Par ailleurs, les livres qui ne sont pas publiés et qui sont en effet beaucoup plus nombreux que les livres publiés ne sont pas du tout envoyés aux galères. Je considère tous mes livres, aussi bien publiés que non publiés, comme mes enfants. Je suis la mère d'une famille extrêmement nombreuse. Et j'essaye d'être une bonne mère. J'essaye de voir ceux de mes enfants qui sont faits pour la lumière et ceux de mes enfants qui sont faits pour une vie plus privée, plus secrète. Donc, je les garde tous chez moi, dans mon appartement de Bruxelles, dans des boîtes à chaussures. Et je pense qu'ils y sont très heureux. Podria preguntar-li si la vida i l'ofici d'escriptora no l'allunya de viure el tipus d'experiències de les quals es podrien nodrir els seus llibres, és a dir, el tipus de treball amb una empresa dura que va fer fa molts anys, ara mateix probablement vostè no l'acceptaria. Ah, ça c'est clair que là, je vois pas du tout pourquoi j'accepterais. Et ce serait quand même très masochiste de ma part d'aller accepter le travail, certes très intéressant, d'une entreprise, alors que j'ai trouvé cette merveilleuse situation. Alors, vous avez raison, ça me coupe certainement de beaucoup d'expériences de vie, mais ça m'amène à en vivre d'autres. Bon,
rencontrer Petroni, par exemple, est une chose qui ne me serait absolument jamais arrivée si je n'avais pas publié de livre. Et somme toute, ce que je raconte dans Petroni, c'est exactement ce que je suis en train de vivre ici. Vous êtes tous Petroni. C'est-à-dire que je suis en train de vous rencontrer, je ne sais pas du tout qui vous êtes, mais si ça se trouve, j'en sais rien. Moi, peut-être que parmi vous, il y a mon assassin. Je n'en sais rien, ça va peut-être devenir très intense, mais rencontrer les lecteurs, c'est aussi une expérience intéressante. Alors, évidemment, elle a ses limites. Mais je n'ai pas l'impression que choisir la littérature soit une renonciation. C'est certainement une autre façon de vivre, mais en aucun cas une renonciation. En relació, per exemple, i aprofito que ara han de portar el micro, en relació amb aquest personatge de Petronil, em sembla que havies dit en alguna ocasió que hi ha una barreja de Marlowe i de Zadi dans les métros. Oui, Zadi dans le métro, c'est vrai, c'est vrai. Mais elle est vraiment comme ça. Quand je me suis demandé comment définir cette Stéphanie Hochet, puisqu'elle existe vraiment, à la fois, c'est un très grand écrivain, je pense, donc je la regardais, je me disais, elle fait penser à Christopher Marlowe, elle a un côté mauvais garçon, elle se bagarre facilement, elle est violente, et en même temps, elle écrit une œuvre très noble et très impressionnante. Et en même temps, quand on la voit, c'est Zazie dans le métro, parce qu'elle est tellement juvénile, et puis c'est la petite française qui a toujours l'air d'une gamine, comme ça, et qui est du peuple en même temps et qui a une façon très gouailleuse de parler. Donc, c'est un personnage très contrasté. No, i ho deia també perquè els llibres d'Amélie Nothomb, que flueixen de la manera com flueixen, són uns llibres plens de literatura, plens de lectures, plens de referents, plens de... per una banda hi ha el jo... Ui. Però, a més, tot allò que envolta el jo, que és totes les lectures que conformen aquest jo. C'est vrai? Mais bien sûr, parce que je parlais tout à l'heure de la faim. J'ai toujours eu faim de tout, y compris de livres, et je me suis autant nourrie de tout ce que j'ai lu que de tout ce que j'ai vécu. Donc, dans mes livres, ressort aussi toute la nourriture culturelle que j'ai... Mais c'est pas de l'étalage, c'est simplement, ça fait partie de ma vie. Je pense qu'on a tous ça, quand on a un livre qu'on adore, quand on l'a profondément lu, ce livre fait partie de votre vie, il fait partie de votre biographie. Donc, écrivant une œuvre largement autobiographique, je trouve logique de parler aussi des livres qui m'ont marqué. Tellement de livres m'ont marqué, c'est honnête de le dire, c'est honnête aussi de dire qu'on ne s'est pas construit tout seul, évidemment que non. Molt bé. Ara us deixo. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir qu'est-ce qui fait votre succès, si c'est l'inspiration ou d'écrire constamment. Alors ça, c'est la question à 18 000 dollars. Je ne sais pas. c'est une question fondamentalement injuste. J'ai du succès, je le constate. J'ai beaucoup de plaisir à avoir du succès, mais honnêtement, je ne peux pas l'expliquer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Petroni mérite au moins autant que moi d'avoir du succès et elle n'en a pas. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des écrivains qui ont du succès et d'autres qui n'en ont pas? C'est parfaitement incompréhensible. Je suppose que je permets facilement l'identification. Je dis ça, je me trompe peut-être complètement, mais j'ai l'impression que j'écris des livres qui permettent facilement l'identification. Et c'est d'ailleurs assez étonnant parce que mes personnages sont le plus souvent des marginaux. Mais il faut croire qu'il y a beaucoup de marginaux parce que tout le monde me dit votre personnage c'est moi. Et parfois même quand le personnage est une petite fille, parfois le lecteur arrive, c'est un vieux monsieur et il me dit la petite fille c'est moi. Sí. Donc i a més particularment suposo que també és interessant saber, no, amb què t'identifiques dels personatges d'Amélie. A mi particularment el que m'atreu absolutament és la rialla que se'm posa, a mi em fa mal la boca, sí, les galtes, estic llegint Amélie Nothomb i de cop i de volta dic, ai, què em passa, no? Em fa mal. I és la ironia. Ui. Aquesta és la ironia que hi ha i que fa que puguis veure d'una altra manera, no?
Mais vous me faites terriblement plaisir en disant ça. Mais vous savez, par ailleurs, j'ai observé que j'ai... Il y a deux catégories de lecteurs. Il y a ceux qui, comme vous, rient énormément et trouvent ça vraiment très drôle. Mais il y a d'autres lecteurs, à peu près aussi nombreux, qui me disent « Mais il y a des gens qui trouvent ça drôle, mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Moi, je ne ris pas du tout. Je trouve que c'est des tragédies abominables. Et j'ai beaucoup de mal à vous lire tellement c'est horrible. Et au contraire, je pleure. » Donc, ces deux réactions existent. Et vous dire quelle est la mienne, honnêtement, je ne peux pas vous dire. Je crois que c'est les deux. C'est les deux parce que c'est vrai qu'il y a des moments où en écrivant, je me dis « Tiens, là, ça me fait rire. » Mais parfois, je pleure en écrivant aussi. Donc, je sais que toute la difficulté, la principale difficulté, c'est ce que j'ai dû apprendre pour devenir écrivain, enfin, cet écrivain, c'est de trouver la bonne distance. C'est pas, d'ailleurs pas seulement comme écrivain, dans la vie aussi. Le plus difficile, c'est de trouver la bonne distance. Ouais. Comme écrivain, je sais que si on se met trop près de son sujet, l'émotion est tellement violente qu'on ne peut pas écrire. C'est-à-dire qu'on écrit des choses qui n'ont aucun sens. Il y a trop d'émotions, ça ne veut rien dire. Si on se met trop loin de son sujet, il n'y a pas assez d'émotions et c'est glacial. Donc, tout le temps, il faut trouver la bonne géographie vis-à-vis de ce qu'on écrit, la bonne distance. J'ai trouvé cette distance-là et j'ai constaté en effet qu'elle produisait des effets très spéciaux sur les lecteurs, soit l'effet qu'elle produit sur vous, soit l'effet qu'elle produit sur l'autre moitié de mes lecteurs. Et je dis bien sûr à tout le monde, mais vous avez raison. Ah, vous avez ri, vous avez tout à fait raison. Vous avez pleuré, vous avez tout à fait raison. Sí, perfecte. És això, és el paper del lector en la literatura, és clar, és tot el que hi posem també nosaltres i per això us torno a deixar la paraula. Mais j'avais cette perplexité comme pas comme écrivain mais comme être vivant avec mes parents. Mes parents, j'ai toujours observé que quoi que je leur raconte depuis que je suis toute petite, mes parents étaient tout le temps en train de rire. Mais même quand je revenais avec des tragédies de l'école, enfin, il m'est arrivé une chose abominable, je ne provoquais que le rire. Et ça continue. Chaque fois que je leur apporte mon roman de l'année, qui parfois raconte vraiment des choses abominables, ça continue. Pardon. Non, mais en même temps, je ne peux pas dire qu'ils ont tort. Et je ne peux pas dire que ça me déplaît. Mais c'est une perplexité qui existe chez moi depuis très longtemps. ¿Oui? Sí. ¿Es esta confianza y relación con el lector el que le permite escribir un libro sobre los libros anteriores, una metabiografía, cuando describe su segundo viaje a Japón con gente que le va haciendo un documental? ¿Es esta relación la que...? J'en ai conscience, vous avez raison. Cette dame a tout à fait raison. Je suis quand même gonflée d'écrire le métalivre, en effet, le livre sur le livre retourné au Japon. Quand j'ai apporté ce livre, vous faites allusion à La Nostalgie Heureuse, quand j'ai apporté ce livre à mon éditeur français, qui est quand même mon premier éditeur, il me dit, mais vous êtes vraiment persuadé que vos lecteurs vous aiment à ce point? J'ai dit, on va voir. Jusqu'à présent, ça va. Hein. Mais c'est vrai que c'est devenu une aventure collective. C'est comme Les Trois Mousquetaires, 20 ans après. Je pars du principe que tout le monde a lu Les Trois Mousquetaires, donc que si je raconte Les Trois Mousquetaires 20 ans après, ça évoquera quelque chose pour les gens. Sí, précisément, c'est un des livres qui a eu la plus bonne critique, La Nostalgie Heureuse. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est aussi un phénomène... Bon, en France, je n'ai pas toujours une bonne critique. J'ai même parfois une critique extrêmement mauvaise. Ouais. C'est le pays dont je vous parlais tout à l'heure. Bon. Généralement, ça se passe mieux ailleurs. Mais bon, il faut aussi les comprendre. Je suis là chaque année. Je vis dans leur pays.
ils considèrent que je prends la place, j'ai du succès chaque année, ils considèrent que je prends la place de beaucoup d'écrivains comme Petroni. Enfin, Petroni le pense un peu d'ailleurs aussi. C'est ça la tragédie. C'est aussi, ça fait partie de ce qu'il... Et en plus, je ne suis même pas française, donc c'est quand même très embêtant. Terrible. Oui. C'est très bien. Madame... Pardon. Madame Amélie, une question un peu personnelle. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment, si vous avez du temps? Je trouve toujours le temps de lire. Et bon, je lis toujours beaucoup de choses contemporaines parce que je reçois tous les jours au moins un roman de l'actualité. Mais j'aime bien aussi lire en continu des classiques. Et là, je viens de me faire un très grand cadeau. J'ai décidé que j'allais relire toute l'œuvre de Proust. Je l'ai entièrement lue quand j'avais 19 ans, mais... C'était pour l'université, il fallait aller très vite. Je me souviens que je pensais que je n'en profitais pas assez et qu'un jour, j'allais m'offrir de la relire en entier, de relire en entier ce formidable livre qui est La recherche du temps perdu, qui, vous savez, c'est énorme comme ça. C'est formidable. Je me donne enfin ce cadeau de relire toute l'œuvre de Proust. On parlait de la faim tout à l'heure. Pour moi, qui ai toujours faim, c'est comme voir arriver un énorme gâteau. D'abord, le meilleur gâteau du monde, mais en plus, c'est un gâteau qui ne va jamais se terminer. C'est magnifique. Tout le monde devrait faire ça. Et des écrivains de maintenant, de l'actualité? Ah, ben, je lis beaucoup de choses actuelles. Alors, les grands écrivains français, Michel Houellebecq, Emmanuel Carrère, Stéphanie Hochet, il faut quand même le dire. Vous aimez Pierre Michon? J'aime beaucoup Pierre Michon. Est-ce qu'il est très lu? Il est très lu en Espagne? Oui, oui. C'est magnifique. Presque tout. Décidément, je suis très frappée par la culture des lecteurs espagnols. Et j'ai très honte. J'ai très honte parce que moi, je ne connais pas, je connais très mal la littérature espagnole. Je suis un boucher seulement. Mais j'aime Michon, j'aime Carrère. Félicitations. Je suis très impressionnée. Et Chenon. Bravo. Tournier, Grac, etc. C'est magnifique. Et je ne suis pas du tout sûre que les lecteurs français connaissent aussi bien la littérature. Non, je suis sûre qu'ils ne connaissent pas. Parce que je suis allé, par exemple, à Orange, que c'est la ville natale de Chenon. On me dit, ah, monsieur Chenon, où il habite, où il est né. Qui c'est ce... Si tu parles de Platini, peut-être, mais de Chenon, c'est terrible. C'est terrible. Oui, oui. Monsieur, vous êtes formidable. Hein, tout merci. Le monde. Merci, Amélie. Més preguntes? Sí. Hola. Hola. Més que una pregunta, una curiositat. Quin llibre o quin autor l'ha saciat, parlant de gana, i en concret, no sé si se'n recorda quan va llegir El pavelló d'oro, de Mishima, quina sensació li va deixar? C'est vrai, Mishima est un auteur qui a énormément compté pour moi. Et... Justement, ce livre auquel vous faites allusion, il est très peu lu. Et c'est un livre très spécial parce que Mishima n'est pas quelqu'un de très incarné. Même quand il parle, enfin, bon, il parle beaucoup plus, par exemple, de sexualité que moi, j'en parle. Et même la sexualité, quand il en parle, elle n'est pas très incarnée. Or, qu'est-ce qui est plus incarné que la faim? Et elle présente ça de façon très, très japonaise. C'est un livre à la fois très beau et qui met très mal à l'aise. C'est plutôt la faim vécue comme une angoisse, finalement. Je comprends très bien ça. C'est très angoissant d'avoir faim. C'est aussi pour ça que j'ai connu une telle anorexie, parce que, à force d'avoir tout le temps faim, il y a un moment où on se dit, bon, je vais peut-être arrêter. Peut-être que la solution, c'est de cesser toute nourriture. Ben, c'est là qu'on découvre que cesser de manger, c'est une autre angoisse, finalement. Pour me dire quel est l'auteur qui a le mieux parlé de faim? Sacrée question, ça. Quel est l'auteur qui a le mieux parlé de faim? Vous avez des idées à me proposer? Knut Hamsun. La faim, oui, c'est très beau. C'est très, très beau, ce livre. Mais lui, bien sûr, c'est la faim liée à la misère, puisque c'est un écrivain qui était très pauvre, donc il a vraiment crevé de faim. Oui, oui. C'est encore une autre faim. Là, c'est la faim sociale, la faim de quelqu'un qui crève de faim par misère. C'est très beau, ce livre. Oui. Et très peu connu, je crois. C'est vrai.
C'est vrai. Voilà. Ah, sí. Exacte, i tant. No, no, amb el, millor amb el micro, perquè si no, no li poden traduir. El Pere Quart, o Joan Oliver, com a dramaturg, que escriu La fam, i bé, és, oui? És la fam que, vista des, del, des de la rutina que es vol trencar, que es vol instal·lar un nou ordre social, en aquest cas un nou ordre de parelles, de, i que finalment és un fracàs. És a dir, no, no, la fam no és, és angoixant, no és... Oui, mais c'est vrai. C'est... Sí. Je vais lire cet auteur. Merci de la suggestion. No sé si està traduït... Al francès, jo crec, jo crec que no. És un autor català i, a més, és una obra que està escrita durant la Guerra Civil espanyola. Durant la Guerra Civil. Ah, oui. Sí, aleshores, és, a més del, de les parelles, hi ha... I és molt curiós perquè té una aparença divertida, simpàtica, de voler trencar els motlles socials. Hi ha més o menys sarcasme, més o menys comèdia, però al final la fam aquesta no és satisfeta. És a dir, és un fracàs, la fam. En així. Ce livre a vraiment l'air très intéressant. Sí, sí. Merci pour la suggestion. Sí, sí. Molt bé. Aquí hi ha una persona que fa estona que... Aisha, bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir, quand vous regardez dans le passé, quand vous avez commencé à écrire, oui. Si vous avez des conseils pour des jeunes écrivains qui commencent à écrire, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est très facile parce qu'on a l'internet et c'est très facile de partager ce qu'on écrit sur un blog personnel, voilà. Mais c'est plus difficile parce qu'on voit tous les éditeurs, on le voit très très loin et c'est difficile. On a peur d'aller chez l'éditeur et présenter notre travail. Ça, c'est une chose qui a toujours existé. Je peux vous dire, Internet ou pas Internet, rencontrer l'éditeur, apporter le manuscrit à l'éditeur, c'est toujours, toujours effrayant. Il faut se dire que tout ce qu'on risque, c'est d'être refusé. Et que, somme toute, ce n'est pas si grave. Moi, j'ai eu cette audace grâce à l'échec japonais. Mon échec japonais a été tellement phénoménal. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas lu le livre que à la fin je nettoyais les toilettes, donc j'étais devenue ce qu'on appelle Madame Pipi. Donc ça a été une telle honte sociale que je me suis dit, écoute, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire, hein? Bon, voilà, maintenant tu veux apporter ton manuscrit aux éditeurs, peut-être que personne n'en voudra, c'est toujours un peu humiliant, mais c'est moins grave que de nettoyer les toilettes. Donc, je pense qu'il faut le vivre comme ça, en se disant qu'il y a des humiliations pires. Et peut-être ça va marcher. Vous ne pouvez pas exclure que ça marche. Voilà, il faut vraiment mesurer l'intensité de votre détermination. Et puis, vous obstiner. En effet, je ne sais pas du tout si Internet est une aide pour les écrivains. Internet ne fait absolument pas partie de ma vie, donc je n'ai pas voix au chapitre. Mais je ne suis pas persuadée que ce soit une aide. Merci. Mentre arriben, jo torno a aprofitar. No, qui, ja està. Qui parle? No, no, c'était moi. C'était moi. Ah, pardon. Ça, on vit vraiment une expérience paranormale. Pardon. Je suis désolée. C'est de la métaphysique, c'est de la pure métaphysique. Què hi farem? No, parla. Pardon. Jo volia omplir un buit i aprofitar per preguntar una cosa sobre Barba Bleu. Oui, je vous en prie. Perdó, és que ara li he passat. No, no, que és una altra de les característiques de la teva obra, i concretament Barba Bleu, que és agafar el mite més terrible o el conte més terrible de criatures, que a més ara en aquests moments determinades mares prohibeixen que les seves criatures puguin sentir aquests contes. Vrai? Sí, la meva germana, per exemple. C'est dingue. La caputxeta vermella m'ho va prohibir, que li expliqués a la meva neboda, sí. Per tant, no, jo només volia dir
Barba Blava és una meravella de novel·la perquè agafa justament aquest personatge i li dona la volta. Per tant, s'acaba convertint de dolent en l'heroi. Res més, jo només volia dir això. Mais oui, mais alors c'est ce que vous me dites est terrifiant parce que est-ce que beaucoup de gens font comme votre sœur parce que sí, jo crec que hi ha. Sí, sí. És una tendència pedagògica que em sembla que funciona. És el trauma infantil que intenten evitar-ho, però és clar, jo a mi com que m'interessa, m'agraden els contes i jo és clar, evidentment, ei, no, jo li vaig explicar, és clar. Mais oui. Mais il faut mais vous avez raison parce que clar. Bon, c'est vrai que c'est terrible, mais tout ça existe. Le Barbe Bleue existe. Donc, il vaut mieux préparer les enfants. Voilà. Voilà. On est tout à fait d'accord. Pardon, chère madame. Bonsoir. Bonsoir. Je suis française. Aïe, aïe, aïe. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Je suis inconditionnelle de vos livres, donc il n'y a pas de problème. La question que je voulais... Poltergeist. Ah, pardon. La question que je voulais vous demander, eu égard à Internet, donc vos livres sont publiés sous format papier, mais sont aussi publiés par Internet via les formats de lecture comme ça. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, vous. Moi, j'ai le plaisir du papier, mais je lis également des livres Internet. Et comment pensez-vous du fait que vos livres soient mis en ligne comme ça, moyennant finance, bien sûr, c'est normal. Mais voilà. Est-ce que ça vous choque ? Est-ce que ça vous choque ? Non, ça ne me choque pas. Mais ça ne m'attire pas non plus. Je n'ai pas de mépris. J'ai plutôt... Je suis complètement d'ancien régime. Hein. L'ordinateur ne fait pas partie de ma vie. Je n'ai même pas de téléphone portable. Donc, je ne maîtrise aucune technologie. C'est aussi simple que ça. Je n'ai aucun mépris pour ces technologies, mais je trouve bizarre qu'on lise sur Internet. J'ai du mal à avoir le plaisir. Je n'imagine pas le plaisir qu'on peut avoir. Il y a peut-être un très grand plaisir, je n'en sais rien, mais moi, il me semble que je ne parviendrai pas à avoir de plaisir comme ça. De mon point de vue, le plaisir n'est pas du tout le même. Le contact papier est plus agréable. Néanmoins, je lis sur Internet parce que ça dépasserait les murs. Quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a... Le gain de place est certain. Voilà. Oui. Mais quand vous lisez, dites vous lisez sur Internet, vous lisez sur la tablette ou bien sur l'ordinateur ? Sur une tablette. Voilà, c'est déjà plus ça me paraît déjà plus agréable. Ouais. Pourquoi pas ? Merci. Bonsoir, Amélie. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous demander par encore une Française, mon Dieu, je ne me rendais pas compte. Je vais me faire lâcher à la fin de la soirée. Non, je suis née en France de parents catalans. Ah, tout va bien. Je connais les Français, oui, je sais. Alors, je voulais vous demander par rapport au livre Antéchrista, le personnage Christa, est-ce que vous avez dans votre vie côtoyé à l'université, par Complètement. Exemple Cette histoire est autobiographique à 95%. Okay. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. Et il y a des personnes comme elle. Oui. Cela dit, je ne le savais pas en l'écrivant, mais je crois que dans Antéchrista, je raconte l'histoire de tout le monde, parce que tout le monde est venu me dire après... qu'ils avaient vécu ça. Et pas seulement les femmes. Tout le monde est venu me dire, moi aussi, un ami a essayé de me bouffer la vie, moi aussi, j'ai vécu une amitié toxique avec quelqu'un qui prenait toute la place. Bizarrement, personne n'est venu me dire, ah, moi, j'ai été un ami toxique qui a pris la place. Mais donc, je crois que nous retenons tous les circonstances où nous avons été opprimés et que nous oublions tous les circonstances où nous avons été des oppresseurs. Ah, il y a quelqu'un tout au fond de la salle. Une jeune femme tout au... Ah non, j'avais mal compris, excusez-moi. Ah, il y a encore quelqu'un ici, tout devant. Bona tarda. En aquestes jornades que fa de vostè de les 4 del matí fins a les 8 o les 9 que ens ha comentat abans, quan escriu, vostè, quan s'hi posa... Coneix el final, coneix cap on vol anar, coneix la direcció que vol prendre o simplement vostè escriu i la història, depèn del dia, va cap a un costat, cap a l'altre? O és una persona que vol planificar-ho tot i sap per on han de passar i com acabarà? Acaba amb un assassinat sempre, diu vostè, no? Sempre pelen algú, però de dir, té el cap tota la història o la major part? C'est un mélange des deux.
généralement, au début, je sais comment ça va se terminer. Dans l'immense majorité des cas, je sais comment ça va se terminer. Mais pour autant, je ne sais pas forcément comment je vais en arriver là. Je compare ça, pour le coup, à un voyage. Disons que je veux aller de Bruxelles à Jérusalem et que je ne sais pas par quelle ville je vais passer pour aller de Bruxelles à Jérusalem. Je peux me laisser inspirer en cours de route. Je peux avoir de vraies surprises en cours de route. Mais généralement, je sais où je vais. J'ai parfois des surprises, mais c'est assez rare. J'ai eu une surprise, par exemple, dans le cadre... Ah, mais je ne pense pas qu'il soit traduit en espagnol. Mercure est un de mes livres où il y a deux fins. Je considère ça, dans ma carrière de femme enceinte, comme la fois où j'ai été enceinte de jumeaux. C'est-à-dire que j'ai vu naître un bébé et à peine il était né, j'ai vu l'autre qui sortait. Vous voyez, ça peut arriver en littérature aussi. Donc, et comme dans votre cas, ce sont des jumeaux qui ne se ressemblent pas. Donc, voilà. I necessito una altra pregunta, ja aquí som. Necessita tancar el llibre per començar l'altre o és capaç d'aquestes quatre novel·les que fa l'any de fer-les evolucionar, diguéssim, no. Al mateix à la temps? Fois. Non, non, c'est vraiment à la fois. Là, la métaphore de la grossesse convient bien. On est, voilà, les grossesses, c'est quand même une à la fois. À côté de ça, c'est peut-être des bébés parfaitement monstrueux, mais quand même, ils m'occupent entièrement, chacun à la fois. La particularité, c'est que c'est vrai que je sens la grossesse suivante quand je n'ai pas encore fini la grossesse précédente. Hola, volia preguntar sobre la relació entre l'acte d'escriure i la vida, perquè quan llegeixo les seves novel·les tinc la impressió que explora formes de distanciar-se de la vulgaritat. I llavors, pensant que igual a la vida quotidiana, trobar el meravellós i distanciar-se de la vulgaritat no és sempre fàcil, em preguntava si escriure és un acte terapèutic, si és una manera de viure amb més densitat, més intensament. C'est aussi ça, c'est aussi ça. Il y a certainement une dimension thérapeutique dans le fait d'écrire. Pour vous dire, parmi les pathologies dont je souffre, parce que je suis certainement une grande malade, mais parmi mes pathologies, je souffre d'un défaut de réalité. Je ne suis pas quelqu'un qui se sent exister. Il y a certains jours où j'ai pas du tout l'impression que j'existe. J'ai beau me toucher, ça ne me convainc pas, je ne me sens pas exister. Et écrire soigne énormément ça. Je me sens exister quand j'écris. C'est encore plus vrai, évidemment, quand j'écris quelque chose d'autobiographique. Ça me dit, non seulement je me sens exister au moment même, mais je sens exister le passé. Je me dis, tiens, ça m'a vraiment arrivé, ce truc-là. Je l'écris, donc ça s'est vraiment passé. À la côté de ça, oui, il y a tout ce que vous dites par rapport à la vulgarité, mais bien sûr, elle existe. Il ne s'agit pas de l'éliminer en écrivant, mais c'est vrai qu'il s'agit quand même de la styliser. Là, je pense que la japonaise est encore là. C'est-à-dire que la vulgarité ne peut pas apparaître comme ça dans mes livres. J'ai des personnages très grossiers, j'ai des assassins épouvantables, mais j'essaie quand même de faire en sorte qu'ils aient un petit peu de tenue. C'est un peu stylisé. C'est peut-être un peu mieux, en effet. Mes assassins sont peut-être un petit peu mieux que les vrais assassins. Moi, j'espère. Mes preguntes? Je crois que là, tout le monde est sidéré et que plus personne n'ose parler en se disant qu'il va se passer un drame. Ah. Bah, le drame, c'est peut-être tout simplement que je vais passer à la dédicace. Non, parce que j'ai cru comprendre que beaucoup de gens voulaient que je dédicace leur livre. Donc, oui. Una última cosa jo. Ah, d'acord. Una. No, no, ja veig que s'aixequen i no, un només. No, no vull fer d'espoiler, però... D'acord. Però sí que m'agradaria llegir una frase, una. Je vous en prie. Bueno, ho llegiré en francès i molt malament, però... Je veux savoir qu'écrire est dangereux
et qu'on y risque sa vie. Je m'y laisse toujours prendre. C'est la pure vérité. Ça n'arrête pas de m'arriver. Je sais que c'est dangereux et que je dois faire très attention à ce que j'écris parce que ce que j'écris a tendance à se produire. Et malheureusement, ça ne m'inspire aucune prudence. Donc, ça va continuer. Mauvais. Oui, je suis désolée, ce n'est pas une bonne nouvelle. Merci. Merci beaucoup. Excellent mot de la fin. Excellent mot de la fin. Bravo. Merci. Bravo. C'est...